Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour ma voix cassée, j'ai fait la croupie au concert de ma mari et j'en ai perdu la voix. Ensuite, j'aimerais vous partager une info concernant une crop où j'animerai sur Bruxelles et je vous propose de réaliser ce mini-album. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus d'infos sur Facebook ou même par mail. Mon mail est dans la barre d'infos. Donc voilà, petite info crop qui se passera à Bruxelles. On revient ensuite sur cette valise dont je vous ai montré dans la dernière vidéo comment la construire. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, vous pouvez cliquer sur la vidéo en encadré. Et si vous l'avez vu, restez avec moi, je vous montre à présent comment décorer l'intérieur. La décoration intérieure va forcément être propre à chacun, à son thème, à son style de valise, mais je vous montre ici une petite idée pour la décorer. Vous avez vu dans mes précédentes valises qu'elles sont toutes différentes. L'intérieur offre une interactivité différente aussi. Et pour cette valise, je vais beaucoup travailler sur la décoration, plus sur la décoration que sur l'interactif. Cette fois-ci, ce n'est pas une valise voyage, mais nous partons quand même à Hawaï. En fait, pour mes 29 ans, j'ai fait une soirée Hawaï décoré au thème hawaïen et il y avait un photobooth pour prendre en photo tous mes amis, toujours en restant sur le thème. Et donc dans cette valise, j'aimerais vous donner un maximum, j'aimerais donner un maximum d'ambiance et de chaleur et de soleil hawaïen. Donc tout d'abord, je tapisse l'intérieur d'une des deux parties de la valise. Je choisis la couleur verte qui sera ma couleur dominante de cette valise. Vous pouvez voir les mesures sur l'écran. Ensuite, je décide d'ajouter un espèce de couvercle à ma valise pour fermer la partie inférieure de ma boîte. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite tapissé la partie inférieure de ma valise. Pour ça, je dois couper un carré avec une languette. La languette sera collée à l'intérieur de la valise et le carré doit être exactement aussi grand que le rebord de la valise. Si c'est trop petit de quelques millimètres, il tombera à l'intérieur. Et comme on utilise tous un papier différent, je vous conseille de mesurer votre boîte du rebord extérieur au rebord extérieur opposé. Pour ma part, normalement, le carré est de 19 cm de côté. Ensuite, ma languette doit rentrer à l'intérieur de ma valise, donc elle est plus petite. J'ai enlevé 3 mm des deux côtés plus ou moins. Avant de coller le couvercle, je vais renforcer le pli car comme c'est un couvercle, il va sans cesse être soulevé, donc on risque de fragiliser les plis à force. Donc je le renforce avec des languettes au recto et au verso du couvercle. Ensuite, je colle un papier déco, enfin un papier à motif au recto et au verso aussi. Et après, je le colle à l'intérieur de ma boîte et j'attends que la colle sèche. Maintenant, je peux tapisser l'intérieur de la boîte inférieure aussi. Et le système de couvercle, je l'ai aussi utilisé pour la valise Istanbul, où j'ai mis à l'intérieur des mini-albums aussi. Et dans la valise USA, j'avais mis un couvercle dans la partie supérieure, mais sans espace à l'intérieur. Sur le couvercle, il y a la carte des USA avec le trajet cousu dedans, et quand on ouvrait le couvercle, il y avait quelques embellissements et photos encore à l'intérieur. Donc voilà, là je tapisse l'intérieur de la partie inférieure de la boîte. De tous les côtés avec de nouveau le même papier, donc je reste toujours dans le même papier pour tout ce qui est tapissage de ma boîte. Et dans la partie inférieure de la valise, je vais y déposer un mini album que j'ai fait avec la technique des enveloppes. Vous pouvez retrouver la vidéo toujours en cliquant dans l'encadré ici et je vous présente un peu le mini très rapidement. J'ai utilisé à l'intérieur toutes les photos du photobooth de mon anniversaire et j'ai décoré l'album avec des découpes de feuilles que j'ai fait avec la Silhouette qui est une machine de découpe. J'ai utilisé aussi pour la déco des pics à brochettes, palmiers et fleurs que j'avais utilisé à mon anif et je les ai gardés pour la déco de mon album et de ma boîte aussi. J'ai mis aussi dans la couverture un parasol qu'on met dans les boissons en général, je l'ai collé sur la couverture. J'ai utilisé dans l'album des cartes Casey Art qui étaient au thème un peu tropical. J'ai fait des volets de pages avec et à l'arrière j'ai collé des photos. Je vous montre ici un peu toutes les découpes que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé des stickers de chez Action, des découpes de chez Simple Stories, mais surtout toute la collection tropicale de chez Toga, toutes les découpes et clipboards de la même collection. Je vous montre aussi ce que j'ai fabriqué comme déco. J'avais fabriqué pour mon anniv tout un décor avec planches de surf et sculptures tiki, feuilles tropicales, etc. Donc j'ai reproduit les mêmes en mini pour les mettre dans la valise. J'ai également utilisé les parasols, les fleurs et aussi les petites décos qu'on met autour des pailles. J'ai fait des petites pancartes
bois, enfin c'est en papier mais style bois, etc. J'ai utilisé des découpes faites à la silhouette. Donc voilà, tout ça je vais utiliser pour pouvoir décorer l'intérieur de ma valise. J'aimerais mettre à l'intérieur de la valise quelque chose qui rappelle les jupes en raffia des danseuses hawaïennes et des bandes de raffia qui recouvrent les tables aussi. Donc pour ça j'ai pris une feuille de papier couleur camel de Claire Fontaine et je coupe dedans plein de petites fines bandes et ensuite je chiffonne les bandelettes pour donner un effet plus rapproché du raffia. Ensuite je vais utiliser une petite perfo que j'ai achetée chez Emma pour couper des petites fleurs de couleur rose, vert et jaune. J'en coupe assez pour pouvoir en mettre tout le long du bord de la bande de faux raffia. Je fais d'abord un petit bord à mon papier avant de coller les fleurs. La bande que je plie va me permettre de coller mon papier à l'intérieur de la valise. Une fois que j'ai fait une ligne de fleurs colorées en mettant les couleurs dans un ordre bien précis, je mets de la colle sur le bord que j'avais plié pour le fixer en haut à l'intérieur de la valise. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai coupé la feuille à la taille de l'intérieur de la valise, donc je pense que c'était 18,5 cm plus ou moins, pour que ça rentre tout pile à l'intérieur. Je passe maintenant à la déco de cette partie de la valise. J'utilise des pics à brochettes avec les fleurs, j'en colle deux ensemble avec une taille différente pour qu'on puisse voir les deux fleurs. J'ajoute ensuite la planche de surf, donc vous ne voyez peut-être pas, mais je colle tout avec la colle à chaud pour que ça tienne vraiment bien. Ensuite, je colle un petit tiki dans le coin inférieur, dans le coin également, pour créer vraiment une petite ambiance Hawaï. Ensuite, j'aimerais créer un petit pliage avec des photos. J'utilise les cadres de chez Toga où je vais coller mes photos préférées dedans. En fait, j'ai dans l'idée de mettre trois photos l'une derrière l'autre et qu'on doive baisser une photo pour voir les deux autres. Alors après ça, je dois mettre deux photos au recto et verso, mais à l'envers parce que le pliage se fait de haut en bas, donc la photo derrière doit être dans mon sens. Je crée rapidement une languette que je vais coller entre les deux photos pour pouvoir faire ce pliage. Je colle ensuite une photo directement sur ma valise et l'autre, je la colle via la languette. Donc voilà le résultat, ensuite je décide de rajouter un petit parasol. Donc j'ai collé un parasol qu'on utilise généralement dans les verres, je l'ai collé sur une paille et par-dessus je colle les pancartes bar, fun et smile sur le petit parasol. Je vais coller le parasol au milieu mais en avant, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne le colle pas trop vers le fond pour qu'on puisse ouvrir le parasol. J'ajoute encore une fleur de pique à brochette et aussi les pique à brochette de palmier. Je rajoute quelques petits éléments avec le palmier également pour que ce soit vraiment harmonieux et que ça donne vraiment une idée du soleil. Et je rajoute aussi un petit flamant rose en plus. Je passe maintenant à la partie sur le couvercle. En partant d'une photo, je vais décorer tout autour en mettant des embellissements. Je vous laisse donc regarder tout ça. Donc voilà le résultat d'un plus près. Maintenant on va passer à la partie verso du couvercle où je vais aussi décorer à partir d'une photo, mais cette fois-ci c'est une photo de ma déco dans mon appartement. Et je vais aussi rajouter plusieurs embellissements, etc. Histoire de décorer l'arrière, mais je peux pas mettre trop d'épaisseur vu que l'album prend déjà une certaine épaisseur, donc le couvercle se ferme tout pile sur l'album, donc je peux vraiment rien mettre d'épaisseur.
Et j'ai aussi utilisé des tampons de chez Emma. Il y avait une petite collection tropicale, tampons tropicales. Donc j'ai utilisé cette petite collection pour le tampon ananas et pour le tampon fleur que vous allez voir aussi, que je vais mettre au-dessus de la photo. Voilà pour l'intérieur, maintenant je passe à la déco extérieure de la valise. Je veux pas trop en mettre, juste un peu pour donner une petite idée, mais pas trop pour ne pas trop révéler ce qu'il y a à l'intérieur. J'utilise donc quelques découpes de toga et de Simple Stories, et alors de tamponnage ananas. La découpe au centre de Simple Stories, je la colle sur du papier avec du motif doré pour la faire ressortir. Je rajoute aussi un petit tiki parce que j'adore les tiki et je suis trop fan. Ensuite, j'ajoute autour d'une corde deux embellissements, mais aussi deux pompons que j'ai fait moi-même pour accrocher tout ça à la poignée. Ça rappelle les étiquettes qu'on accroche aux valises et c'est aussi un petit clin d'œil au voyage qu'on fait en ouvrant la valise. Donc voilà pour cette vidéo, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une valise. On peut faire plein de choses différentes et de styles totalement différents. Donc si vous vous y mettez, n'hésitez pas à partager vos réalisations via Facebook. Je serai ravie de voir ce que vous en avez fait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et c'est un bon exemple de projet qu'on peut faire même si on ne voyage pas. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais à partir d'un anniversaire, d'un événement, d'une naissance ou d'un mariage, on peut arriver à faire quelque chose et à faire voyager les gens à travers cette petite valisette. Voilà donc pour aujourd'hui et j'espère que toutes les vidéos du jeudi que j'ai fait depuis ces deux derniers mois vous donneront de quoi scraper tout l'été. J'ai décidé de freiner cet été, de freiner un peu la fréquence des vidéos histoire de me laisser le temps de vous préparer d'autres choses et de préparer aussi les vidéos de la rentrée. Ça me laissera aussi peut-être le temps de ranger ma scrap room pour en faire une vidéo car je sais que beaucoup me la demandent. Je n'en publierai donc pas toutes les semaines cet été, mais restez connectés car j'en publierai certainement cet été pour vous partager des choses sur le moment. Donc sinon, je serai toujours sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter ou même mon blog. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.